Une ambiance chaude, très chaude pour cette demi-finale de la 17e Coupe d'Afrique des Nations dans ce stade du 5 juillet d'Alger, puisque je vous l'ai dit, cette demi-finale oppose l'Algérie au Sénégal, alors que vers 20h, le Nigeria rencontrera la Zambie à Annaba, un match que vous pourrez suivre avec Olivier Rey et Alain Vernon aux alentours de minuit. Dominique Leglou, une demi-finale où l'Algérie est favorite, où les supporters se sont déplacés nombreux, moins nombreux que prévu finalement. Peut-être est-ce la pluie qui est tombée il y a une heure sur Alger qui a fait que les Algériens ont préféré regarder le match devant leur poste de télé. Je pense que c'est la pluie, mais vous savez, l'hymne algérien que l'on vient d'entendre, qui dit Kassaman, s'appelle Kassaman, et Kassaman ça veut dire je le jure. Eh bien je crois que les Algériens, ce qu'ils jurent, c'est qu'ils vont essayer de gagner cette Coupe d'Afrique des Nations, parce que pour eux, ça serait une belle revanche par rapport à leur élimination du Mondial contre l'Égypte. Ce serait surtout une grande première, puisque jamais du reste cette Coupe d'Afrique des Nations a été organisée ici à Alger, et jamais l'Algérie a remporté cette Coupe d'Afrique des Nations, le plus grand détenteur étant le Ghana avec 4 victoires devant l'Égypte avec 3 victoires, et jamais du reste le Sénégal non plus n'a remporté cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous voyez qu'on vous propose la composition de cette équipe du Sénégal avec le coach qui est notre ami Claude Leroy. Claude Leroy qui entraînait avec succès, puisqu'il a remporté cette Coupe d'Afrique des Nations il y a 2 ans de cela au Maroc, et qui est arrivé en demi-finale il y a 4 ans. Claude Leroy a quitté le Cameroun, donc, dont il avait fait le vainqueur de cette Coupe d'Afrique, pour entraîner le Sénégal. On lui avait dit, le but, c'est la Coupe d'Afrique qui sera disputée dans 2 ans à Dakar. Pour l'heure, essayer de faire le maximum. Eh bien, il emmène cette équipe en demi-finale face à l'Algérie. C'est déjà un premier succès. Devant vous, les deux capitaines, Majer pour l'équipe Génération qui avait brillé lors de la Coupe du Monde en Espagne, Oudjani est avant-centre, Oudjani l'avant-centre de Sochaux, et Ménad, le joueur de Nîmes. Quant à l'équipe du Sénégal, il y a pas mal de joueurs connus également. Mais l'équipe du Sénégal, c'est Sekchek qui est dans les buts. En défense, vous aurez Papéfal de Caen, Mamadou Diallo, Roger Mendy de Monaco, Diagne Mustapha de Grenoble, Mendy Adolphe du Sidek. Au milieu de terrain, Lamine Sagna, Cissé Adama, tous les deux du Jarab Dakar, et Lamine Diaye de Mulhouse. Enfin, à l'attaque, Jules Bokandé, que tout le monde connaît, de Nice, et Abdoulaye Diallo de Marseille. Alors Bernard, 6 professionnels dans l'équipe du Sénégal contre 4 dans l'équipe d'Algérie. Oui, et des absents en plus dans cette équipe du Sénégal, puisque Claude Leroy regrettait l'absence de Youm, notamment de Nantes, et également de Sané qui joue à Nuremberg en Allemagne. Omar Séné n'est pas là, Séné non plus. Alors ça fait beaucoup de handicap, mais si l'équipe d'Algérie a nettement dominé les débats en marquant 10 buts en 3 matchs pour en encaisser qu'un seul, victoire sur le Nigeria 5-1, sur l'Égypte 2-0 et sur la Côte d'Ivoire 3-0, le Sénégal n'a marqué que 2 buts contre le Cameroun. C'était une belle revanche pour Claude Leroy, mais 2 matchs nuls contre la Zambie et le Kenya, et cela est un peu inquiétant. Et quand on sait en plus que Claude Leroy, pour ce match contre l'Algérie, a décidé de se priver d'un attaquant, Endo, qui joue au Maroc, qui est un autre professionnel, pour faire entrer un autre Mendy Adolphe, qui n'a rien, aucun lien de parenté avec Roger, eh bien, cela prouve que du côté du Sénégal, on va jouer la défense à outrance avec un marquage à la culotte sur Majer, qui est encore une fois l'attaquant le plus dangereux de cette équipe d'Algérie, et une défense hyper renforcée en profitant naturellement des contre-attaques, parce que ça joue vite. Les deux arrières latéraux vont soi-disant très vite, Papéfal et Adolphe Mendy. On va voir. Alors, naturellement, cette équipe algérienne, encore une fois, qui a fait grosse impression face à ses adversaires depuis le début de cette Coupe d'Afrique, le Sénégal, qui finalement a débuté timidement, gros plan Monsieur Tagada, qui a été excellent jusqu'à présent. Et du reste, on se félicitait de l'arbitrage au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations, arbitrage qui avait été fort discuté lors des précédentes éditions et qui a été excellent depuis le début de la compétition. Ce sont les Algériens qui jouent en blanc, qui donnent le coup d'envoi, avec Majer donc, qui a donné le ballon sur le côté, une pelouse qui va être glissante, et une équipe d'Algérie qui va donc essayer de contenter son public. Un public, encore une fois, moins nombreux que prévu, mais par contre très brillant. Jules Bokandé qui a pris la balle, avec Roger Mendy qui a été le pivot de cette défense du Sénégal, bien sûr,
et à qui on va peut-être demander de monter un petit peu, hein, peut-être, Dominique. Ce qui me paraît un peu étonnant, c'est la position simple des joueurs sur le terrain. Vous constatez vraiment que pour le moment, il reste effectivement à deux en pointe du côté de l'attaque sénégalaise, les deux prévus, c'est-à-dire Bokandé et Diallo. Et que pour l'instant, au milieu de terrain, on essaye d'occuper le terrain, et un milieu de terrain très renforcé. Hein. Avec un ballon qui revient jusqu'à Roger Mendy, mais un coup franc sifflé pour l'Algérie. Un coup franc qui va être donné très certainement par le numéro 8, Amani. Amani qui joue à Anvers. Alors que vous voyez ici, Oudjani et son numéro 10. Un long ballon et dégagement au point de Sek, le gardien de but du Sénégal. Un grand gabarit, mon Dieu. Sek qui n'a pas pris un seul but depuis le début de cette épreuve. Eh oui, c'est un... avec Ménad là, qui avait la balle. Et qui finalement ballon sorti par les joueurs sénégalais. Et remise en jeu pour le Sénégal, grand open under. Dirait nos amis Salvia Kelbaladejo et ballon qui revient derrière pour Serrar qui est donc le libéro de cette équipe algérienne. En remplacement, je vous l'ai dit, d'Adrir qui a été blessé. Un match qui débute assez lentement car on s'observe des deux côtés pour l'heure et on n'arrive pas trop à se trouver. Du reste, côté sénégalais, on a constaté depuis le début de la compétition que le jeu collectif avait quand même était quand même assez hésitant. Il y a de grandes individualités, mais au niveau du jeu collectif, ce n'est pas terrible. Alors coup franc pour le Sénégal et Mendy loin devant pour Diallo. Diallo qui a cherché Bokandé. Oula ! Complètement raté de la part de Ben Halima. Et finalement, corner. Ballon sorti en corner pour l'équipe du Sénégal. Premier corner tiré par Diallo. Alors pour l'instant, il n'y a que Bokandé devant. Oh, ah, ça va venir quand même. Il y en a deux qui viennent en renfort tout de même, Lamine Diaye. Et Diallo donc. Qui a cherché la tête de Mendy, mais dégagement de la défense algérienne et contre-attaque avec une intervention là des Sénégalais et finalement reprise de El Ouazani. El Ouazani qui rate complètement sa transversale et ballon qui va jusqu'à Sek. El Ouazani qui a été très bon, le voici en gros plan là depuis le début de la compétition, très actif en milieu de terrain. Une équipe algérienne qui joue en 4-3-3. C'est-à-dire qu'avec Ménad, Oudjani et Majer devant, voici encore une fois Ménad qui a lancé, il va falloir sortir Sek. Tu marques. Oui. Et but de Ménad. But de Ménad à la 4e minute sur une faute de la défense du Sénégal. Le Sénégal qui encaisse son premier but dès la 4e minute. Voilà, c'est un coup dur pour les hommes de Leroy. Mais voyez la joie du public algérien. On revoit cette toujours à la limite du hors-jeu Ménad. Hein. Il a marqué beaucoup de buts comme ça depuis le début de la Coupe d'Afrique. Et un bon lob devant Sek. Il vient donc 4e minute, but de Ménad. Il n'avait pas pris un but en 3 matchs et voilà qu'il encaisse un but dès la 4e minute pour Sek. Alors il a beau renforcer sa défense, l'ami Leroy. Elle vient de craquer d'entrée. Il faut dire que. Il a tout misé sur Majer et finalement c'est Ménad qui vient donc de marquer ce premier but pour les Algériens qui va peut-être décontracter le match parce que d'abord il va obliger les Sénégalais à attaquer car c'est pour, par élimination directe bien sûr. En cas d'égalité il y a prolongation et tir au but si nécessaire. Et ça va décontacter aussi les Algériens qui paraissaient un peu crispés quand même en ce début de rencontre. Ils jouent gros. Oui. Ils sont arrivés, les Algériens... Ils n'ont jamais eu un parcours facile dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont été trois fois demi-finalistes et une fois finalistes et à chaque fois battus. Oui. Alors, Diallo qui essayait de déborder, mais finalement ça n'a pas marché. Et remise en jeu qui va être faite par... L'ami Adjaz qui joue donc à gauche. Oula, dégagement au centre, faute et reprise. Finalement, c'était Zania qui avait tenté de reprendre cette balle. Mais ça repart pour le Sénégal avec Bokandé maintenant.
Ah, qui est abattu, Bocandé, oui. Croché. Et coup franc donc à 30 mètres des buts de l'ami Osmani. Le gardien de but de Sétif. Du reste, il y a beaucoup de joueurs de Sétif en défense avec Adjas et Serrar, le nouveau libéraux de cette équipe algérienne. Alors, coup franc, voyez, un gardien barbu, c'est assez rare. Coup franc pour le Sénégal. Oh, il a glissé, Mendy, oui. Ouais. Il a glissé, son pied d'appel a glissé, c'est pourquoi il a raté complètement sa frappe. On se demande vraiment si c'était une balle en cloche pour Diallo ou si c'était une tentative de frappe. C'est bien difficile à dire. Hein. Ballon pour les Algériens, avec Oudjani qui réclamait la balle au centre, mais pas d'intervention de la défense sénégalaise, et dégagement pour Bocandé, et intervention. Bocandé. De Megaria, et faute, dit Monsieur Tagada, faute de Bocandé sur Megaria, et donc coup franc pour les Algériens. Ballon qui arrive jusqu'à Osmani. Le milieu de terrain de l'Algérie qui a fait bonne impression hein, depuis le début avec Saïb, Amani et El-Ouazzani. Trois joueurs qu'on connaît, pour deux en tous les cas en ce qui concerne deux joueurs, El-Ouazzani et Saïb, deux joueurs qu'on connaît mal, ce sont des jeunes produits du football algérien. Ils ont une vingtaine d'années et c'est vrai que c'est une bonne idée de les intégrer donc à une formation un peu expérimentée, même si c'est un risque pour certains journalistes algériens à ce stade de la compétition. Ballon de Ndiaye, qui, le joueur de Mulhouse, qui essayait de partir, remise en jeu pour le Sénégal. Ballon pour Bocandé, aux prises avec Megaria et dégagement de Ménade qui était revenu derrière, en fait, qui était à Mani. Et ballon en sortie de but. Avec une équipe du Sénégal qui essaie d'attaquer, mais on sent hein, que du côté collectif, ça va suivre Monsieur Kermali, qui est Abdelhamid Kermali, qui est l'entraîneur, le nouvel entraîneur de l'équipe d'Algérie. Entraîneur depuis le mois d'octobre dernier, il était rentré au moment des demi-finales. Dès que l'Algérie a perdu sa qualification pour le mondial face à l'Égypte. Et il s'est donné 4 ans pour refaire une équipe avec l'intégration de nouveaux joueurs plus quelques anciens. Et finalement, ça lui a réussi pas mal parce que depuis le début ici, disons que cette équipe d'Algérie avec El-Ouazzani là, qui a un bon ballon, mais sorti de sec. Et ballon à nouveau pour les Sénégalais. C'était Cissé qui a lancé sur la gauche là-bas pour Diagne. Ballon pour Cissé. Cissé qui est le numéro 12 que l'on appelle Basile, car il ressemble à Basile Boli, disent ses petits camarades. Cissé, Sagna et Ndiaye qui constituent un milieu de terrain très complémentaire d'après Claude Leroy. C'est pour cette raison qu'il n'a pas sélectionné le milieu parisien. Et c'est peut-être un peu dommage parce qu'il pourrait peut-être manquer dans l'organisation du jeu. Diallo. Diallo, un ballon pour Ndiaye. Puis pour Bocandé. Aïe, qui a raté. Il est bien isolé. Contrôle, ouais. Ah, bien oui, isolé, il est bien face à 5 Algériens. Okay, il a l'habitude. Hein, Bocandé, en général, quand on joue en pointe comme ça, on n'a pas beaucoup de points d'appui. Encore que jusqu'à présent. On joue en 4-3-3, c'est-à-dire avec trois attaquants du côté du Sénégal. Le troisième étant Endo, lui aussi un professionnel, je vous le disais, qui joue au Maroc. Amani qui joue à Anvers, lui. Un ballon pour Adjas et finalement avec Ménade. Hors-jeu. Et hors-jeu de Ménade. Amani, dont on dit qu'il est pétri de talent, mais aussi pas très sérieux. Ah. Lorsqu'il était sélectionné ici, les journalistes ont dit que Kermali avait peut-être fait une erreur, mais enfin le remettre dans le coup, c'est peut-être aussi une occasion pour ce garçon de faire enfin ses preuves. Amani qui a marqué un but. Alors on cherche toujours par de longs ballons Bocandé qui est pris de très très près par
Megaria. Megaria, oui. Qui ne lâche pas. Défenseur solide, ce Megaria. Attendez, toujours Bocandé, qui essaye de passer, qui est abattu par Megaria, donc coup franc, je pense. Pour l'équipe du Sénégal, alors à nouveau on va chercher la tête de Roger Mendy qui s'est avancé. Il y a là également Cissé et Diaye, oui. Un coup franc qui est donné par Atou Diallo, le Marseillais. Alors finalement il n'a pas du tout cherché la tête, complètement raté son centre, pris quand même par le Sénégal. Bonne intervention d'Adjas là. Un ballon pour Madjer. Menace, c'est dommage. Ah, ils ne nous ont pas habitués à ce type de... Et c'est Diagne qui a repris la balle pour la donner à Sec. Madjer Menace qui ont fait un festival lors de la première partie de cette Coupe d'Afrique des Nations. 3 buts pour Menace et 2 buts pour Madjer et de nombreuses actions collectives en 1-2. Alors, Roger Mendy. Fall. Joue à quand, Fall? Il reste Dommerg et là Bocandé, bien joué. Bocandé qui a joué avec Sagna, mais l'arbitre, hein, c'est dommage, ne laisse pas l'avantage. En sifflant cette faute, une nouvelle faute sur Bocandé. C'est dommage, c'est dommage. Et ballon pour Ndiaye. Non, finalement, c'est Mendy qui va tirer ce coup franc. Alors que M. Tagada perd ses cartons pour le moment. Un ballon qui cherchait la tête de Bocandé, dégagement de Megaria. Et ballon qui va être mis en jeu pour le Sénégal. Le Sénégal qui domine mais sans se montrer dangereux. Hein. C'est-à-dire, ils ont un but à rattraper, mais en jouant avec deux attaquants devant, ça me paraît difficile. D'autant qu'il leur manque une pièce maîtresse, Ndo. Hein. Amani qui est long ballon pour Madjer. Madjer bien joué pour Udjani. Udjani qui a passé Diagne. Sur la droite pour Saïb. Madjer maintenant en position d'ailier droit. Ah mais ils sont bien regroupés les Sénégalais, ça va être dur. Il a glissé, non? Et ballon qui est finalement dégagé par le Sénégal comme on peut. Megaria, long ballon qui va se perdre là-bas, derrière les buts de Sec. Ah, quand Madjer prend le ballon ici dans le stade, tout le monde se lève. Faut dire que Madjer... C'est la réussite de l'équipe nationale algérienne, de l'ON comme on l'appelle. Madjer qui semble bien plus à l'aise avec son équipe nationale qu'avec Porto. Hein. Ben il oui. est un petit peu en désaccord avec Arthur George. Il dit qu'Arthur George le fait travailler beaucoup et lui donne des consignes beaucoup trop strictes. Madjer aime se balader sur le front de l'attaque, même s'il est souvent sur le côté droit. Alors, je vous le disais en vous présentant ce reportage qu'il fait partie de cette génération que l'on regrette ici, des Assad. Madjer, Belloumi qui avait brillé au mondial en battant l'équipe d'Allemagne au mondial espagnol en 82 et qui avait raté de très très peu la qualification pour le deuxième tour. Ballon pour Serrar. Benalima de côté. Amani contré Bocandé. Diallo laisse l'avantage cette fois, M. Tagada il a raison. Fall, Diallo, bonne interception là de El Ouazzani. Finalement, Amani qui a donné devant à Udjani, mais ballon dégagé encore une fois. Bien joué ça. El Ouazzani. Bien joué. Bien El Ouazzani, Saïb Benalima. Encore une fois pour Love. Ah, alors là, Bernard, je ne vois pas faute. Hein. Là, je ne vois pas faute. J'espère qu'on va avoir le ralenti parce que... Enfin, il était mieux placé que nous, Monsieur Tanaka, mais à mon avis, et un... Alors, c'est un coup franc. Alors, oui, on regarde pour les cartons. Alors, un avertissement, oui, sûrement il va sortir un carton jaune parce qu'il a dû entendre des choses désagréables. Non, il prend le ballon, il joue le ballon, il n'y a pas de problème. Et non. Un carton jaune. Ouais, je crois bien qu'il donne ce carton jaune au gardien. Oui. À Sec, qui a dû lui dire des choses désagréables. Je ne sais pas en quelle langue il lui a dit.
en tout cas. Alors là, on dit que c'est Monsieur Mendy. Non. Alors là, ça, c'est Adolphe Mendy qui a pris le carton. En tout cas, envoyé sec. En tout cas, c'est un coup franc très dangereux parce que Madjer en a mis un comme ça. Il les aime bien à cette distance-là. Il est peut-être un peu trop excentré, ce coup franc pour Madjer. Et le public commence à s'enflammer un petit peu dès qu'on approche hein, de la surface de réparation du Sénégal. Alors, Madjer va tirer ce coup franc. Ça discute, hein. Le mur est loin d'être à 9 mètres. Mais Monsieur Tagada fait signe qu'il faudra attendre le coup de sifflet avant de tirer. Il va faire mettre le mur à 9 mètres 10. Voilà. Alors Madjer ou Amani ? Voilà, 9 mètres. Voilà, allez. Madjer. Pas beaucoup d'élan, mais cette fois c'est le mur. Madjer à nouveau. Oh là là. Heureusement qu'il a sauté. Parce que là, c'était l'ami Mendy, mais l'autre, Adolphe. Aucun lien de parenté, vous voyez. Et si c'est. Regardez le numéro 12 là. Le numéro 12 que vous avez devant vous, voilà. Il ressemble vraiment à Basile. Hein. Forfait de Basile. Tout aussi costaud. On l'a pas vu encore jaillir. Et c'est lui qui prend ce ballon de la tête. Il gagne. Et finalement, les Sénégalais tentent de se libérer. La messe est sec qui va sortir. Ouais. Tranquille, ouais. Sans problème. Pour l'instant, malgré ce 1-0 pour l'équipe d'Algérie, après plus de 15 minutes de jeu, 18 minutes très exactement, on n'a pas l'impression que ce match est vraiment, vraiment démarré. Hein. Les Algériens se méfient des contre-attaques sénégalaises, alors que le Sénégal n'arrive pas à libérer complètement son jeu. Avec Diallo là, Mamadou Diallo. Pour l'autre Diallo, qui a rien de parenté non plus, Bokandé, oh là là. À chaque fois que Bokandé a la balle, c'est vrai qu'il y a faute sur lui. Et c'est vrai que Monsieur Tagada, à mon humble avis, devrait faire quelques remontrances à Mégaria. Parce que ce n'est pas méchant, mais à chaque fois il stoppe l'action. Il sait, long ballon pour qui? Eh bien pour personne, il cherchait Sagna. Et finalement, c'est Mendy de l'autre côté qui est ici pour la Sagna maintenant, bien joué. De la part des Algériens, ballon pour Malger, mais il est trop profond, oui. C'est Ménat qui avait fait ce travail. Ménat qui revient souvent un petit peu en frais d'ailleurs, récupérer les ballons. En laissant Oudjani en pointe. Et voici Mendy, Mendy pour Bokandé. Bokandé. Ah, ils sont bien groupés, j'ai regardé. Ils ne sont qu'à 3 contre les Sénégalais, contre 1, 2, 3, 4, 5, 6 Algériens. Bokandé reste à terre, mais il va quand même. Les Sénégalais vont bénéficier d'un corner. Vous entendez les sifflets du public algérien. On a hélas maintenant l'habitude de ce type de comportement partout dans le monde. Dommage. Mendy qui a pris ce ballon de la tête, dégagé par Amani, repris par les Sénégalais, tire. Oh ! Un tir contre un but. But de Cissé. C'est Cissé qui a surpris tout le monde. Il a repris ce ballon comme il venait, dans un silence de cathédrale. Le gardien Osmani était complètement masqué. Et finalement donc, but de Cissé. À la 20e minute, égalisation par Cissé. Ah, il est sans doute contré, oui, effectivement, c'est une jambe qui est contrée, qui prend complètement un contre-pied Osmani Antar. Là, Osmani Antar n'y pouvait absolument rien. On revoit l'action sur le côté, Bernard. Regardez, il la prend comme elle vient, cette balle. Un peu n'importe comment, et ça va au fond. Il est complètement pris à contre-pied. À la, du côté algérien, c'est la douche froide après la pluie de tout à l'heure. Et donc, voici les Sénégalais. Ouf. Belle balle de Madjer. Hein. Un petit lob retourné qui a failli prendre le chemin de la lucarne. Et Sec s'en sort bien, bien placé.
les Sénégalais ont surpris tout le monde parce qu'on les voyait mal partis avec ce but encaissé dès la 4e minute. Et finalement, à force d'attaquer sans être dangereux, mais à force de prendre le ballon dans le camp algérien, ils ont réussi à égaliser. Ça repart avec un contre favorable de Ndiaye. Sagna. Oh là là. À explication avec Adjas. Sagna a été à deux droits de donner l'avantage au Sénégal. Vous voyez que les contre-attaques, ils vont très vite en contre-attaque. Et c'est pourquoi les Algériens se méfient en début de match. Et là, ce but les a un petit peu assommés. Ils se sont ouverts au contre des Sénégalais. Ça a bien failli marcher. Et ça repart avec Ndiaye maintenant. Bien joué, ça le centre entrée pour Bakandé. Bien une bonne sortie d'Osmani. En jeu. Position. Lamine Sagna va très très vite. Il est tout petit. Il se glisse, se faufile à une pointe de vitesse, une accélération étonnante. Des longs dégagements. C'est Amani qui a repris la balle. Bakandé. Finalement, Bakandé. Bakandé toujours. Et il oui, attend du renfort. Oui, ici c'est l'auteur du but. Qui a voulu lancer Fall sur le côté, mais oui. Ça n'a pas marché. Fall qui essaye de se transformer en ailier droit. La réussite bonne, pourquoi pas. Et... enfin, ils sont chanceux quand même sur ce but. Hein. Chanceux. La chance fait partie du jeu, mais en tout cas, j'ai l'impression que depuis ce but, les Sénégalais ont repris confiance en eux, en se disant ce qu'on a fait une fois, on pourrait peut-être le faire une deuxième. Et un long ballon là-bas pour Diagne. Pour Mendy, pour l'autre Mendy dans ses Diallo Fall. Les sifflets algériens commencent à retentir. Les Algériens n'aiment pas quand leur équipe joue mal. Et depuis une dizaine de minutes, ça ne tourne pas très rond du côté algérien. Mendy, alors que du côté sénégalais, ça va beaucoup mieux. Bakandé qui est redonné à Diallo. Diallo qui est accroché par le short. Et voilà, et l'arbitre a laissé l'avantage. Et comme on n'est pas au rugby, on ne revient pas à la première faute. Et la remise en jeu est donc pour les Algériens. El Ouazani. Faute d'El Ouazani. Sur El Ouazani, oui. Faute sur El Ouazani, bouscule bien Diallo. Enfin, c'est pas méchant. On m'a tiré le maillot, je donne un petit coup d'épaule. Et c'est donc Adjas qui va tirer ce coup franc, peut-être non. Amani. Finalement, c'est Amani. Amani pour Serra. Allez, ça repart Adjas Amani. Amani, un long ballon là-bas pour Ménad, qui est aux prises avec deux Sénégalais. Il s'en réussit à centrer. Majer, ouais, superbe reprise, ciseau retourné de Majer. Ah, j'espère qu'on va le revoir au ralenti parce que c'était très très beau. Et cadré en plus, hein, ce qui est assez rare dans ce genre d'action. Et un très bon travail sur la droite de Ménad, hein, oui. Qui a réussi à effacer deux adversaires pour centrer. Majer, lui, se sort de Diagne, effectue son ciseau de volée, et sec le français à poitrine, en deux temps. Ouais, toujours ces ballons qui frappent devant un gardien sont toujours dangereux. Et ça repart pour l'Algérie, Majer qui a bien du mal avec Diagne. Avec faute où il était accroché. D'un côté, il y a Megaria qui s'occupe de Bakandé et de l'autre, Diagne qui s'occupe de Majer. C'est un peu le même cas de figure. Hein. Il leur laisse pas beaucoup d'espace. Non. Marquage individuel strict, comme on dit. Alors, coup franc de Amani. Non, finalement, c'est Adjas qui va tirer ce coup franc. Adjas qui a cherché la tête de Majer et il l'a trouvé. Eh oui. Et corner, dit monsieur Tagada qui va contre l'avis de son juge de touche qui est de l'île Maurice et qui s'appelle monsieur Kadresen Eganeden. Alors que l'autre arbitre de touche est du Gabon, et monsieur Tiramba. C'est du reste un gabarit de deuxième ligne. Nouveau corner pour les Algériens qui appuient maintenant, semble-t-il, sur l'accélérateur parce qu'ils se disent qu'il faut, plutôt que subir le jeu des Sénégalais, il faudrait peut-être porter le danger dans le camp sénégalais.
Et ce qui inquiète peut-être les supporters algériens, c'est cette équipe du Sénégal qui possède une très bonne défense, qui n'a pas pris de but lors du premier tour, qui a pris ce but dès la quatrième. Mais l'égalisation les a remis en jeu. Et Bocordé, bien joué. Ah oui, une fois bien joué, pas deux fois. Megaria. Trop facile d'un seul coup, Bocordé. Megaria, mais tête de Mendy. Et main d'El Ouattani. Oui. C'est curieux comme il ne laisse pas l'avantage, l'arbitre japonais, là, parce que le ballon était dans les pieds des Sénégalais et ça permet à la défense algérienne de se regrouper. Mais il tient parfaitement bien les deux équipes. Fall. Centre pour qui pour les têtes algériennes. Reprise quand même, bien joué, 1-2. Avec un bon débordement pour le Bakandé qui a cru avoir le ballon, mais Megaria s'en est emparé. Amani. Adjas a bien joué le coup, là. Que fallait lui enlever de la tête. De l'autre côté pour Ben Halima. Centre. Non, il n'y a pas hors-jeu. Koudjani. Sec repousse ce ballon. Ils étaient deux. Aïe. Ah, il n'est pas content, Madjer. Ah, parce qu'il pouvait très bien continuer son action, Koudjani. Il a voulu marquer tout seul alors qu'il pouvait très bien aller jusqu'au gardien et donner ça, à Madjer bon. Qui était sur sa gauche. C'est pas bon pour un avant-centre. Et Koudjani n'a jamais été tellement en réussite avec l'équipe nationale. Heureusement, il avait mis un but au cours du premier tour. Mais là, vraiment, ce but raté risque de coûter cher. Et corner, donc. Corner pour l'Algérie. Sortie de sec, qui lâche la balle. Et oh là là. Ils sont malheureux, les Algériens, en ce moment. Là, ils se sont créés deux occasions. Regardez, on revoit Oujani qui arrive seul devant sec. Il n'a pas bougé. Ouais. Il a essayé de le prendre à contre-pied. Sec récupère avec le pied. Très bien joué de la part du gardien sénégalais. Alors que du côté du Sénégal, on essaye de remettre les choses en place et l'entraîneur adjoint de Claude Leroy est venu donner des conseils à Fall, ce qui ne plaît pas du tout aux arbitres. Diallo et Cissé qui reprend la balle. Cissé qui a voulu lancer pour Ndiaye. Encore une fois, Madjer, mais hors jeu cette fois. Ah, il sait faire, hors-jeu. Eh oui. Madjer est allé jusqu'au bout, on dit on sait jamais, hein, si l'arbitre a une petite absence. Oui. J'avais pas entendu, enfin, vous savez, couplet habituel, j'avais pas entendu le coup de sifflet, etc., etc. Et donc, c'est Diagne qui joue à Grenoble. Diagne, non, finalement, qui laisse la balle à Mendy. Pour Ndiaye, Diallo. Adou Diouf. Oui. Adjas, oui. Oui, il lui a enlevé carrément son pied d'appui. Le public n'est pas d'accord, mais l'arbitre a raison. Et c'est Fall qui va tirer ce coup franc. Fall qui a voulu jouer avec Ndiaye. Bonne interception à Amani. Amani, longue balle pour Madjer. Non, mais il y a Mendy qui est là. Et tranquillement, le joueur de Monaco a pu donner à sec. Fall pour Diallo, une fois, deux fois, ça n'a pas marché. Diallo, l'autre, Mamadou Diallo qui a été dominé de la tête et dégagement de Mendy. Sagna Bocordé. Très technique, Sagna. Bocordé qui frappe. Ouh, et c'est pas fini, Sagna. Mais il n'y a personne. Il y a et tir de Ndiaye au-dessus. Très bien, Sagna, très bien joué. Il avait bien lancé Bocordé, il était bien reparti sur la droite pour se démarquer. Malheureusement, il n'a eu personne. Il a regardé pour essayer de la remettre autre parce qu'il n'y avait personne. Il a attendu. Et au moment où il a donné son ballon derrière, malheureusement, le tir est parti ensuite. Très très vite. Oui, en tout cas avec cette pelouse humide, il est certain que les balles fusent quand, sur les tirs à ras de terre. Et là, vous avez vu cette frappe de Bocordé qui a surpris Osmani, qui n'a pas pu la contrôler. Et Sagna avait bien suivi. Alors que du côté algérien, on a l'impression que le jeu s'étiole un petit peu. Et oui, et moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'ils sont tout de même à 1-1 et qu'on constate qu'il n'y a toujours que deux attaquants devant, à savoir Oudjani et Ménaz.
Vous gagnez matière, pardon. Ménad étant dans une position beaucoup plus en frais derrière ces deux hommes. Amani joue vraiment au milieu de terrain derrière. El Ouazzani pareil. Alors, bien, il faut les alimenter, matière. Et matière étant pris de très près. En plus de ça, on a... Pour l'instant, on pratique un jeu assez long du côté des Algériens. C'est avec Amani qui recherche souvent Madjer. Et il est clair que les défenseurs sénégalais vont vite, très vite. Et qu'il faut des erreurs un petit peu individuelles pour retrouver des occasions comme Oudjani a eu tout à l'heure. Que Oudjani n'est pas quand même un monstre de vitesse. Hein. C'est un garçon solide, costaud, bon de la tête. Alors, dégagement, mais finalement, ballon quand même pour les Algériens, Majer. Aux prises avec Adolphe Mendy. Eh oui. Oh. Et coup franc. Coup franc qui ressemble à un corner, en fait. Lamine Sagna avait l'air de dire qu'il n'avait pas touché à Majer. C'est pas ce que s'en pensait, monsieur l'arbitre. Hein. Oui, ils étaient deux là-bas. Il y avait aussi Mendy, Adolphe. Il est raté. C'est raté. Et ça repart. Non, ça reste dans les pieds des Algériens. Mais on recule. Diallo. Diallo. Et finalement, on essaye de partir en contre-attaque du côté du Sénégal. Et hors-jeu. Hors-jeu de Madjer. Oui, oui. Madjer. Rien à dire. Ils remontent vite les défenseurs sénégalais. Et du côté algérien, on ne fait pas assez attention. Longue balle encore pour Bocordé, oui. Ça ressemblait plus à du rugby, là. Et faute donc de Bocordé sur Mégaria. Pour tenter le double démarrage, il accrochait le maillot. Oui. Comme dans le vélo, là, quand... Et ça repart pour Saïd Amani. Amani de l'autre côté, Oudjani. Oudjani avec Ménad qui vient au centre maintenant. Bon centre, mais sans problème pour Zek. Qui a pris un coup, un petit coup. Par Majer. Et il met la balle en touche. Car il a pris, on appelle ça une petite béquille. En l'air. Alors allons donc savoir, j'espère que sur l'image au ralenti serré on va pouvoir se rendre compte de ce qui s'est passé réellement. Alors on appelle les soigneurs et là ça sera un petit coup dur, mais enfin en principe ça fait mal sur le coup, ce genre de choc, et ça doit passer. Et toujours un partout, donc, but de Ménad pour l'Algérie à la 4e minute. On revoit cette action avec la sortie de Sec. Et il y a une talonnade aérienne de Madjer qui me semble suspecte. Oui, d'autant qu'il est. Le ballon était dans les mains de Sec depuis un bon moment. Hein. D'habitude, il nous a gratifié de talonnades dans le bon sens du jeu, Madjer. C'est peut-être surprenant. Alors, 34 minutes de jeu en cette première mi-temps. Un but partout, but de Ménad à la 4e minute pour l'Algérie. Égalisation par Cissé à la 20e minute. Et toujours à terre, l'ami Sec, qui a l'air plus touché. Et M. Tagada vient voir ce qui se passe. Oui, il va pouvoir... on met la chaussure, ça devrait être bon. Ouais. Tant qu'il a un collant. Tant il fait pas très froid ici, mais... Les deux gardiens du reste. Pris un collant. Et voilà. Sec va pouvoir reprendre sa place. J'imagine que les Algériens vont redonner la balle aux Sénégalais. C'est ce qui se fait habituellement quand le ballon a été volontairement mis en touche par un joueur suite à une blessure. Ah. Et non. Monsieur Adja, c'est pas très bien ça. Amani. Un ballon qui revient finalement sur Sagna. Qui redonne à Sec. Petit boîte, hein. Oui, il boite un petit peu, oui. Ballon bien en l'air, hein. Et finalement, si c'est... Non, c'est Mendy, l'autre Adolphe, qui avait repris cette balle, et qui va sortir pour l'équipe d'Algérie.
qui essaye de... Voilà, faute encore. Faute de Sagna. Hein, il laisse bien traîner la chaussure, comme l'on dit, Sagna. Ils sont très pressants tout de même sur les porteurs du ballon algérien. Ils ne les laissent pas développer leur jeu. Hein. Ah, ils sont très rapides. Ils sont bons techniciens aussi. Ce qui manque le plus souvent, c'est un jeu collectif. Mais ça ne vient pas... Mendoula, dégagement de Diallo, Mamadou Diallo. Et redégagement de l'autre côté de Ben Halima. C'est un peu n'importe quoi en ce moment. Hein. On attend peut-être la mi-temps, là, non ? Oh, ben quand même, il y a du temps. Hein. Ouais. Et c'est que fait durer le plaisir. Du reste, M. Tagada va lui faire la remontrance et lui dire que de toute façon, le temps sera déduit. Il a tout à fait raison. Parce que s'il commence à jouer la montre du côté du Sénégal, il ne se pas sorti de l'auberge. Mamadou Diallo. Alors, est-ce qu'il boite encore sec ? Apparemment, non. Hein. Oui, ça va mieux, là. Ça va bien mieux. C'est-à-dire que ses petits camarades l'ont mis en confiance, là, l'ont chauffé. Et il peut dégager très loin pour la tête de Bocordé. Bocordé gagne pour Diallo. Bon ouais. Dégagement, là, de Adjan. Vous avez vu comme ils sont rapides, les Sénégalais, sur ce genre d'attaque ? C'est, il faut que la défense algérienne soit tout à fait attentive. C'est pas très spectaculaire, mais ça peut être dangereux, hein. Ballon pour Fall, contré par Adjaz, mais ballon pour Mamadou Diallo, pour son gardien sec, et voici Roger Mendy. Il est costaud ce Mamadou Diallo, hein, le numéro 17, beau gabarit, stopper. Avec toujours Diagne qui est sur Madjer. Je crois que s'il va au vestiaire, Madjer, il va voir Diagne arriver dans le vestiaire algérien. Je suis partout. Adjaz et Al-Wazani, pardon. Et un ballon de la tête ou Djani, mais sans danger. Il y a, à mon humble avis, un peu trop d'espace entre le milieu de terrain algérien et les attaquants algériens, si bien que la coordination se fait assez mal, ce qui profite aux joueurs, à la défense sénégalaise. Et pour le moment, on n'a pas retrouvé les combinaisons de jeu qu'on a pu vous montrer hier soir. C'est vrai que les 1-2, les mouvements à 3, on les a pas vus. Là. Alors, Bocordé, toujours avec Mégaria. Et Mégaria qui met le ballon en touche. Et remise en jeu, on ne se presse pas du côté sénégalais. Remise en jeu qui va être faite par Fall pour Diallo. Ouh, Diallo. Adjaz, c'est quelque chose. Là, une fois ça a été, deux fois, il n'a pas pu Adjaz. Et on revient, Diallo. Et bien, Diallo. Oui. Il est contré. Sagna, ballon bien joué pour Fall. Ah, Fall qui a trop attendu avant de centrer. Là, ils étaient pourtant à 4 contre 1, car l'ami Serrar n'était pas remonté en même temps que ses défenseurs. C'est pas bon. Non, et il n'obtient qu'une touche finalement. Ouais. Eh oui, et Diallo vient lui faire la remarque à Fall en disant qu'il fallait centrer tout de suite. Okay. Car il y avait une faute de la défense algérienne. Diallo qui centre pour la tête de Bocordé. Non, faute de Bocordé. Et reprise de Saïb là-bas. Qui était en fait Serrar, Saïb. Ben Halima va faire la remise en jeu. Longue balle. Finalement, Ben Halima encore. Un long ballon. Ouais. Faute de Diallo qui a poussé Amani dans le dos. Mais Fierou, là, là, c'est des up and under, le Hora Football, les dégagements de Mamadou Diallo. Reprise qui était de Saïb, intervention encore une fois des Sénégalais. Attention, Adjaz, hein, très très bon pour l'instant, Adjaz. Très bien. Face à Diallo. Très bon match. Ouf. Fall qui... Oh. Mais pas dans la poésie, hein.
On ne fait pas la poésie, remise en jeu qui va être donc pour l'équipe d'Algérie. Toujours tenu en échec par le Sénégal, un but partout. Alors qu'on attaque les 5 dernières minutes de cette première mi-temps. Avec une remise en jeu de Adjaz. Mendy. Il n'y avait plus personne devant. Hein. Toute la famille sénégalaise était dans son camp. Serrar qui joue sur la droite pour ce hit, mais finalement c'est Cissé. Hors-jeu, ouais. Il y en avait deux, il y avait Bob Mondé dès le début même de l'action. Ah, ils vont tellement vite que là, ils étaient engagés trop rapidement. Adjaz, sur ce plongeon de Diallo, il n'a pas pu contrôler le ballon comme il voulait. Finalement, reprise de Ndiaye, mais ballon pour Ménage, il marche sur la balle. Bokandé qui se fait subtiliser cette balle, Adjaz. Moi, c'est pas pour l'instant du grand football, on n'arrive pas à poser le jeu du côté des Algériens. Les Algériens sont gênés incontestablement par la vitesse du Sénégal. Bokandé, bien joué. Vitesse et le pressing. Là, il y a un hors-jeu. Bokandé qui veut y aller tout seul et il se fait contrer. Il se fait contrer avec Serrar maintenant, qui repart. Ah, il monte Serrar, Mais là, c'est Sagna. Sagna qui fait une faute et qui va prendre un carton. Très juste. Carton jaune. Bien arbitré, monsieur Tagada, qui a parfaitement raison. Car Sagna avait trop tendance à donner de la semelle, comme l'on dit. Ah oui, et on le voit bien sur le ralenti, il a bien déséquilibré Serrar, hein, Sagna. Sagna qui avait fait une faute équivalente de l'autre côté, et sans doute M. Tagada l'avait pas oublié. Il ne faudrait pas qu'il oublie non plus Mégaria, encore que celui-ci se soit calmé depuis quelques temps, mais il a fait aussi beaucoup de fautes sur Bokandé. Amani qui cherchait Oudjani. Ménad. Et finalement Osmani. On joue beaucoup aérien du côté algérien, ce qui est très surprenant dans la mesure où la spécialité du jeu algérien, c'est le jeu posé à terre. Peut-être essaye-t-on d'utiliser les qualités d'Oudjani, mais pour l'instant ça ne marche pas. Non, ils ont pour l'instant perdu un peu de leur collectif. Peut-être ont-ils marqué trop tôt. C'est jamais bon finalement parfois. Parfois certaines équipes sont un peu déséquilibrées dans la mesure où elles marquent trop tôt, elles se déconcentrent. Et il semblerait que ce soit le cas de l'équipe d'Algérie qui n'arrive pas à poser son jeu, à mettre son collectif qui est en principe plus léché que celui des Sénégalais. Et Loizani maintenant. Et Loizani avec Amani, voilà, c'est bien joué, Ménad, voilà. Très bien. Et toujours au moment de la dernière passe, il y a quelque chose. Il y a eu 4 passes de suite, qui est pour l'instant une première pour l'Algérie depuis le début de la partie. Mendy. Fall Diallo, là. Faute d'Adjaz, oui, là, très méchante en plus. Oui, il va lui mettre un carton. Et il lui a fait signe, monsieur Tagada, ça fait la quatrième fois, il doit les compter, oui. Ça fait la quatrième fois que vous séchez votre petit camarade, et ce n'est pas très bien. C'est Diallo, Adou Diallo, le joueur olympique de Marseille, qui est au sol. Et Bokandé semble se plaindre de quelque chose aussi sur le côté gauche. Pendant qu'à l'image, vous avez Diallo qui est tout seul. Il a pris beaucoup de coups, hein, Bokandé. C'est clair, c'était la cuisse, là. Ouais. Donc il y a deux joueurs sénégalais au sol. Diallo se relève. Bokandé est allongé. Peut-être la caméra va se porter sur Bokandé sur le côté gauche. Pour l'instant, on reste sur Pape Fall. Voilà. Matcher Fetting qui trouvait que Bokandé sort pour faire du temps. Et monsieur Tagada demande à la force. Et il s'est relevé. Oui, Jules s'est relevé. Et lui aussi a. Et Diallo, pendant ce temps-là, Diallo et Adjaz discutaient là-bas. Et donc, coup franc tiré par Fall.
Sall qui cherchait la tête de Bakandé, mais qui a trouvé le pied de Benalima. Attention à la contre-attaque, Ujani a mal redonné sur la main, sur Ménad. Ménad, oh, cadeau, le cadeau de Diaz. Bernard. Oh, Ujani, qui est malheureux. Oh, il est malheureux, Ujani. Car Diagne qui a repoussé ce ballon comme il le pouvait, car il était dans une position impossible. Et Ujani qui arrivait vite, qui a voulu la frapper au lieu de la placer. Regardez, Ménad, il centre très bien. Diagne qui rate complètement son dégagement. Et Ujani qui met au-dessus. Ah, ça fait deux occasions. Peut-être victime de sa taille, il était vraiment sur l'arrière. Et peut-être aussi a-t-il été surpris, il est vrai, par la toile du défenseur sénégalais, mais c'est bien dommage, deux occasions manquées par Ujani, ça c'est très difficile à ce stade de la compétition. Le Sachalien, c'est un jour sans pour lui. Oui, et il doit gamberger, comme l'on dit, parce que quand vous ratez devant votre public pour une demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, et c'est important, deux occasions comme celle-ci, vous êtes un peu crispé par ici. Adjan. Donc quand même, ils ont une super défense au Sénégal. Encore une fois, ils n'ont pris que deux buts lors des trois premières rencontres. Mais quand même, ils font pas mal de toiles, comme l'on dit. Hein. Megaria qui se fait contrer. Trop facile. Eh oui. Et Serra. C'est la mi-temps donc qui voit l'Algérie et le Sénégal rentrer au vestiaire à égalité.